heures, on collecte le plus de déchets possible. Yeah. Des pèses pour tout le monde, des seaux pour tout le monde. Mais n'empêche, il y aura des sacs et il y aura des déchets. C'est tous les déchets autour du Lez, et dans le Lez il y avait des joueurs et des joueuses dans les canoës. On était équipés de seaux, de sacs et de pinces, et voilà, on a enlevé tous les déchets qu'il y avait autour. Ouais, 2 tonnes en 2 heures pour dire que ce qu'on jette, ce qu'on gaspille, voilà, ce qu'on laisse tomber, ce qu'on oublie. Voilà, c'est, là on voit quand même 2 tonnes en 2 heures. C'est énorme, quoi. C'est énorme que sur un petit secteur. Alors, je peux imaginer toute la ville ce que ça fait. Ouais, 2 tonnes, c'est plus que l'année dernière. Donc c'est quand même alarmant de voir tous ces déchets dans le Lez. Mais bon, c'est bien de faire des petites actions comme ça pour éviter plus de pollution. Complètement, on sait que ça commence à être inquiétant et assez grave. Donc ça fait toujours plaisir de participer à ce genre d'événement, surtout avec tous les sportifs et tout, etc. Et franchement, c'était vraiment pas mal. L'environnement, tout ça, c'est important. Il faudrait continuer à avoir des villes plus propres, avoir une planète plus propre surtout.